Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Civilization 4 avec les Coréens. Le mode Rise and Fall Dawn of Civilization. Oh, l'Inde est particulièrement peuplée par des indépendants. Indépendants qui n'ont pas l'air d'avoir trop de bateaux. Ça m'arrange pas, puisque notre objectif est justement de couler. Oh, il y en a un là. Yes. Hop, manger. Il y en a même un là-bas et c'est un bateau atelier. Et je ne peux pas l'attraper. C'est pas grave. Et il nous reste 6 bateaux à couler. Ça devrait pouvoir se faire sans trop de difficultés à cette époque. Avant d'avoir besoin de méga bateaux, de déclarer des vraies guerres et tout. Pour l'instant, j'ai pas eu à déclarer de guerre. Et tant mieux. Oh, un bateau portugais. Portugais ou pas, on va tenter de le détruire avec un corsaire. Bonjour. N'importe quoi. Tu rêves, mon pote. J'ai un bateau qui est pas super loin du bateau portugais. Il a une carac. J'ai beaucoup plus costaud que lui. Et on a eu le bateau portugais. Alors, galère lourde. Ah, on s'est replié. Ça sent mauvais. J'ai un autre bateau. Nickel. Je peux pas taper deux fois. Soignons-nous ensemble. On va booster cette ville-là. Cette ville-là, elle a pas mal de marteaux, non? 17, 21, en effet. Sur la production d'unités militaires, ça devrait inclure les bateaux, si je ne m'abuse. Allons-y pour les armes à feu. On se soigne. L'autre peut attaquer. Et se replier pour se soigner. J'ai un nouveau corsaire. Hop. D'ailleurs, toi, t'as pas besoin d'aller très loin. Soigne-toi ici. Ah, il y a un bateau japonais de l'autre côté. Encore un nouveau bateau. Alors, j'ai eu une caravelle et j'ai été détruit par une caravelle. Oh, il a sorti plein de bateaux, le japonais. Ça, c'est cool. Je le remercie. Un. Deux. Et ben voilà. Ah, repli. Ok. On aura fait un vrai massacre. Ça va faire une vidéo beaucoup plus courte. On est à peu près là dans la moitié. Il y a des pays beaucoup plus forts que nous, genre la Chine. Les Ottomans, grâce à leur vassal, ils sont un peu plus forts. On est aussi fort que la Moscovie, à peu près autant que le Japon. Ah non, ah si, les Ottomans, ils sont un tout petit peu plus haut que nous. Les Portugais, il y avait pas mal de pays en dessous de nous quand même. On a gagné. Alors, ça a commencé en 600. À ce moment-là, nous avions deux villes. Les Chinois avaient toute la Chine. Les Japonais avaient le cœur du Japon. Il leur manque peut-être une ville en haut et une ville en bas. Au-dessus et au nord. Les Byzantins avaient un empire immense. Et les Vikings avaient un peu de territoire. Ensuite, qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu les Arabes qui ont eu
un territoire indépendant immense. Les... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Les Indonésiens. Et les Tibétains. Et les Maures. Et les Espagnols. Et les Français. Et les Anglais. Et les Espagnols. Et les Russes. À ce moment-là, on n'avait toujours que deux villes. En 1000 après JC. Qui c'est ça? Les Égyptiens qui ont apparu. Ok. Rouge. Ah, c'est. Ayutthaya ou l'autre, je sais plus. Ah, on avait pris la ville là-haut. Là, les Mongols avaient gardé cette ville-là. Les Mongols, ils avaient beaucoup de terrain par là et très peu vers nous en fait. Ils ont leur capitale. Une ville ici, et le reste c'était volé à l'autre peuple nomade. Ah, ils avaient pris une ville aux Russes quand même, que les Russes ont repris plus tard. Ah bah, quand ils se sont effondrés justement. Là, j'ai dû prendre la ville qui s'est effondrée. On allait jusqu'en quasiment 1600. Là, les Sémurites, je sais plus exactement comment ça se prononce. Bah, actuellement, ils s'appellent Kurdistan. Ils ont réapparu sur la carte et repris des terrains. Voilà, bon, ça s'est passé tranquillement. Le moment tendu, ça a été avoir l'imprimerie à temps. Je sais pas combien de tours avait le suivant. Et avoir les deux bâtiments. Finalement, on a fini 3 tours en avance pour les deux bâtiments. Et on s'est arrêté à la naissance des Pays-Bas. Eh bien, c'est pas mal. En score, les Chinois, les Byzantins ont augmenté, mais vraiment très doucement, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Les Chinois dominaient le monde pendant très longtemps. Les Mongols ont fait un méga pic, puis se sont effondrés. C'est assez semblable à l'histoire. Et l'Arabie, elle a monté, puis elle a bien descendu, puis elle a remonté. Restait un petit pays. Nous, on était ici. Et on a monté. On est, franchement, on était dans le lot de tête. Loin derrière les Chinois, mais dans le lot de tête. Loin derrière les autres. Si on regarde la culture, par exemple, les Chinois avaient beaucoup plus que tout le monde. On n'était pas trop mal. Espionnage, à mon avis, on était mauvais. Ah, c'était les Byzantins, les meilleurs espions avant qu'ils s'effondrent. Technologie. On est là. Ouais, il y a un moment où on était quasiment premier en technologie avec les Chinois, qui devaient être à peu près au même niveau que nous d'ailleurs. Voilà. On était encore dans le lot de tête, sans surprise. En puissance, je pense qu'on était relativement bas. Ah oui, donc il y a eu les deux grands empires nomades, les Mongols et les Seljouks. Les Chinois n'ont pas cessé d'être costauds. Qui c'est ça? Les Ottomans. Logique. Et nous, on a commencé assez bas et on a continué de façon très stable. Toujours un peu bas. Territoire. On retrouve encore les Chinois. Donc les Chinois, c'était vachement des costauds. Ça doit être les Russes. Costauds. Et ils montent bien les Russes par rapport aux Chinois. Les Chinois qui ont gardé leur territoire original. Voilà. Les villes les plus importantes, chinois, japonais et après coréen. Et puis chinois et chinois. Ouais, on voit la domination des Chinois quand même. Dans lequel j'ai construit mon Cheongdae. Cheongdae. Qu'est-ce que j'ai construit le plus? Des corsaires, des épéistes, je pensais pas vraiment, des archers longs à la fin. J'ai eu 4 grands scientifiques quand même. Et qu'est-ce que j'ai coulé, à mon avis? Qu'est-ce que j'ai killé, à mon avis? C'est surtout les bateaux. Horse Archer. 4 archers montés. 7 cogs. C'est du bateau. Galéas, c'est des bateaux. Caravette, c'est des bateaux. Ça, c'est des bateaux. 2 crossbowmen. Un privateer. Bref, j'ai pas fait tellement de guerre. Et je termine avec un score moyen. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous invite à checker les autres séries qu'il y a sur ma chaîne. D'ici là, il y aura peut-être d'autres avec le même mode. Sinon, j'en ai fait avec Civilization 4 classique. J'en ai fait beaucoup, beaucoup sur le monde classique.
Et je vous dis à une prochaine fois.